Assalamu alaikum, chapitre 7, mouvement plan d'une particule, cinématique 1, partie 2. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable d'identifier la trajectoire d'un objet en mouvement. À la fin de la partie précédente, on a vu que le vecteur position est représenté par O1 vecteur est égal x de ti plus y de tj. La distance entre la position M du mobile et l'origine O est donnée par OM est égal à radical x carré plus y carré. Les équations paramétriques du mouvement sans x est égal à x de t et y est égal à y de t. La trajectoire d'un point matériel est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps. Elle dépend du référentiel choisi. Une trajectoire peut être rectiligne ou circulaire ou parabolique. Pour trouver la forme de la trajectoire, il faut déterminer l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire est une relation indépendante de t entre ses coordonnées x et y qui permet de déterminer la forme de la trajectoire de la particule. Si l'équation de la trajectoire est sous forme de y est égal à ax plus b, alors la trajectoire est une ligne droite. Si l'équation a la forme de x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré, alors c'est un cercle de rayon R et de centre O AB. Si elle a la forme de y est égal à x au carré plus bx plus c, alors c'est une parabole. L'équation de la trajectoire se détermine à partir des composantes du vecteur position. Mais comment? Remarquez cet exemple. Un vecteur position m de t est égal à 4t moins 1i plus 2t au carré plus 1j. On va trouver l'équation à la forme de la trajectoire occupée par m au cours du temps. Alors, premièrement, il faut relever les composantes du vecteur position. Alors, on va trouver les équations paramétriques. Les équations paramétriques ici sont x de t est égal à 4t moins 1 et y de t est égal à 2t au carré plus 1. Puis, on va exprimer la variable de temps en fonction d'une variable d'espace dans l'une des composantes. Alors, on va trouver t en fonction de x ou t en fonction de y. Remarquons ici que si x est égal à 4t moins 1, alors 4t est égal à x plus 1. On trouve que t est égal à x plus 1 sur 4. De cette façon, on a exprimé t en fonction de x. Étape 3, remplacer la variable de temps par son expression dans l'autre composante. Alors, on a trouvé t en fonction de x et pour cela, on va remplacer t dans y. Alors, si t est égal à x plus 1 sur 4, on remplace t par sa valeur dans y. On aura y est égal à 2x plus 1 sur 4 au carré plus 1. Finalement, on peut conclure l'équation et la forme de la trajectoire. On a trouvé que y est égal à x plus 1 sur 2 au carré plus 1 est égal à x carré plus 2x plus 1 sur 4 plus 1 est égal à x au carré sur 4 plus x sur 2 plus 5 sur 4. Alors, remarquez que cette équation est une fonction polynôme de degré 2 de la forme y est égal à x au carré plus bx plus c. Et on sait que l'équation y est égale à x au carré plus bx plus c est une équation d'une parabole. Donc, on peut déduire que la trajectoire de la particule m est une branche d'une parabole. Maintenant, chers élèves, essayez de suivre les mêmes étapes pour chaque vecteur position suivant pour trouver l'équation et la forme de la trajectoire du mouvement. Exemple 1. R de t, le vecteur position, est égal à ti plus t carré plus 1j. Premièrement, on détermine les équations paramétriques qui sont x de t est égal à t et y de t est égal à t carré plus 1. Et comme t est égal à x, on remplace t par son expression dans y, on aura y est égal à x carré plus 1. Alors, cette équation a la forme de y est égal à x au carré plus bx plus c, alors la trajectoire est une branche d'une parabole. Ce graphique représente la fonction y est égal à x carré plus 1 dans un repère orthonormé xy. Remarquez ici la forme, c'est une parabole. N'oublions pas que les équations paramétriques du mouvement sont x est égal à t et y est égal à t carré plus 1.
C'est-à-dire qu'à chaque instant, on peut trouver la position de la particule. Remarquez ici que à t est égal à 0, on remplace t est égal à 0 dans x et y. On trouve que x est égal à 0 et y est égal à 1. Puis, à t est égal à 1, par exemple, on trouve que x est égal à 1, y est égal à 2. Et puis, à t est égal à 2, encore on remplace 2 dans les équations paramétriques, on trouve que x est égal à 5 et y est égal à 2. Mais faites attention, le temps est un variable toujours positif, t plus grand ou est égal à 0. Alors, selon les équations paramétriques, x est égal à t. Si x est égal à t était positif, alors x doit être une valeur positive plus grand ou est égal à 0. Pour cela, remarquez la figure. Notre trajectoire est une portion de parabole où x est plus grand ou est égal à 0. Exemple 2. F de t, le vecteur position, est égal à t-1i plus t carré j. Premièrement, on trouve les équations paramétriques. On trouve t en fonction de x et on le remplace dans y. On aura y est égal à x plus 1 au carré. Cette équation a la forme encore de y est égal à x carré plus bx plus t. Donc, c'est une branche d'une parabole. Ce graphique représente la fonction y est égal à x plus 1 au carré dans un repère orthonormé. Remarquez, à t est égal à 0, x est égal à moins 1, y est égal à 0. Puis, à un autre instant, t est égal à 1, on trouve que x est égal à 0 et y est égal à 1. Et un autre exemple, à t est égal à 2 secondes, x est égal à 1 et y est égal à 4. Si encore, on va faire attention que le temps est un variable toujours positif. Ici, selon les équations paramétriques, x est égal à t moins 1, donc t est égal à x plus 1. Si t est positif, alors x plus 1 doit être plus grand ou est égal à 0, alors x doit être plus grand ou est égal à moins 1. Pour cela, remarquez la figure, notre trajectoire est une branche d'une parabole où x est plus grand ou est égal à moins 1. Exemple 3. Maintenant, le vecteur position est égal à cosinus 2ti plus sinus 2tj. Les équations paramétriques ici sont x de t est égal à cosinus de t et y de t est égal à sinus de t. Donc x au carré est égal à cosinus carré de t et y au carré est égal à sinus carré de t. On sait que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Donc ici, cosinus carré de t plus sinus carré de t est égal à 1. On remplace cosinus carré de t par x au carré. Et sinus carré de t par y au carré, on aura l'équation de la trajectoire x carré plus y carré est égal à 1. Maintenant, cette équation a la forme de x moins 1 au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Donc, ici la trajectoire est un cercle de rayon 1 par comparaison et de centre O 0, 0, encore par comparaison a est égal à 0 et b est égal à 0. Même, on peut trouver la position de la particule à chaque instant. En utilisant les équations paramétriques. À t est égal à 0, on remplace t est égal à 0 dans x et y, on trouve que x est égal à 1 et y est égal à 0. Puis, à un autre instant, par exemple t est égal à pi sur 4 secondes, on remplace pi sur 4 dans l'équation paramétrique de x, on aura x est égal à 0, et on remplace pi sur 4 dans l'équation de y, de t, on aura y est égal à 1. Application 1. La figure ci-contre représente un missile lancé. L'expression de son vecteur position est r de t est égal de ti plus 4t carré plus 8tj. Partie 1. Déterminer la position du missile à t égale 0 secondes. On remplace t par sa valeur dans l'expression de du vecteur position. On aura r de 0 est égal à 0i plus 0j alors est égal à 0. Partie 2. Déterminer ses équations paramétriques. Donc, c'est très facile, x est égal à 2t et y est égal à 4t carré plus 8t. Partie 3. Déterminer l'équation de la trajectoire du missile, puis déduire sa forme. Alors, on suivit les états. Premièrement, on trouve t en fonction de x, t est égal à x sur 2. Puis, on remplace t par son expression dans y, on aura y est égal à 4x sur 2 au carré plus 8x sur 2, alors est égal à x au carré plus 4x, c'est la forme de y est égal à x carré plus bx plus c, alors c'est une branche d'une parabole.
Application 2. L'expression du vecteur position d'une particule en mouvement est R de t est égal 3 cosinus 3 t i plus 3 sinus 3 t j. Partie 1. Déterminer sa position à t est égal 0 seconde. On remplace t par 0. On aura R de 0 est égal à 3 i. Déterminer ses équations paramétriques. X est égal 3 cosinus 3 t et y est égal 3 sinus 3 t. Partie 3. Déterminer l'équation de la trajectoire du M et en déduire sa forme. Premièrement, on commence par les équations paramétriques. X sur 3 est égal cosinus 3 t et y sur 3 est égal à sinus 3 t. On sait que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. C'est pour cela qu'on va trouver cosinus carré 3 t qui est égal ici à x sur 3 carré et sinus carré 3 t qui est égal à y sur 3 au carré. Comme on sait que cosinus carré 3t plus sinus carré 3t est égal à 1, donc x sur 3 au carré plus y sur 3 au carré est égal à 1, donc x au carré plus y au carré est égal à 9. Cette équation a la forme de x moins 1 au carré plus y moins b au carré est égal à r carré, donc la trajectoire est un cercle de rayon r est égal à 3 mètres et de centre O, 0, 0. La fin de la partie 2, merci et au revoir.